à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léonjouliou. Débutons cette édition à la Gombe où le Premier ministre Jean-Michel Sama Loukonde a présidé ce mercredi 2 juin à la primature la 6e réunion du comité de conjoncture économique en présence de ministres sectoriels. Au sortir de l'audience, le ministre du Plan, Christian Moindeau, fait les comptes rendus. Et la réunion d'aujourd'hui, nous avons analysé la situation du 24 au 28 mai. Nous pouvons retenir plusieurs choses. La première, c'est que la situation de l'économie mondiale est en bonne évolution, sauf quelques craintes pour la troisième vague de Covid-19, notamment pour notre pays, d'où le Premier ministre a demandé qu'on sensibilise la population pour le respect des mesures barrières pour ne pas repartir en confinement. Nous avons également examiné la situation au niveau des métaux. Nous avons constaté qu'il y a une baisse du cours des métaux et que ça pourrait avoir un impact sur les finances de notre pays dans la mesure où le cours du cuivre notamment aurait passé en dessous de 10 000 $ par tonne. Nous avons constaté également qu'il y a la baisse sur le plan international du coût des produits céréaliers, ce qui serait une bonne chose, et le ministre de l'économie est appelé à suivre la répercussion de cette situation dans les prix intérieurs. Nous avons le gouverneur de la Banque centrale nous a exposé qu'il y a une stabilité au niveau du taux de change qui reste au niveau national officiel à 2025, au niveau parallèle à 2025, au niveau officiel à 1989. Et aujourd'hui, nous avons également constaté et encouragé le fait que les réserves de change de la République ont augmenté et de plus de 100% depuis que le gouvernement Sama Loukonde est en place. Enfin, le Premier ministre est revenu sur l'instruction qui nous a été donnée par le Président de la République de faire un effort pour la diversification de l'économie et également sur les investissements qui doivent être faits dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Voilà un peu l'essentiel de ce qui a été dit au niveau de cette réunion. Et de l'autre côté, le ministre d'État, ministre en charge du développement rural, a échangé successivement cette matinée dans son cabinet de travail avec la société chinoise et la délégation du Fonds mondial pour la conservation de la nature, tous œuvrant en République démocratique du Congo. Leur première contact a consisté à présenter un projet très important. Suivez. Les échanges entre la société chinoise China Gezhuba International Engineering et le ministre d'État en charge du développement rural, François Rubota Masumbuko, ont porté sur la possibilité de coopération entre le gouvernement congolais dans le secteur du développement rural, à savoir l'addiction à l'eau potable, l'électricité, la création des habitations et la création des routes des dessertes agricoles. François Rubota a signifié à ses invités que le projet est le bienvenu, mais il faudra s'inscrire derrière la vision du chef de l'État, celle qui consiste à développer l'homme à la base. Sans oublier que la RDC est un pays post-conflit, l'effort sera mis pour que chaque territoire bénéficie de ce projet, bien sûr après plusieurs échanges. La firme chinoise s'exprime après échange. On a présenté à son Excellence, Monsieur le Ministre, consacrant les références, les capacités techniques et financières de la société, surtout les références en Afrique, et montré aussi que nous avons bien compris le développement rural est très important pour un pays, et c'est surtout pour la RDC. Et nous voulons accompagner le ministre et ses services compétents à réaliser les projets au niveau du développement rural. Il s'est de noter que cette entreprise est installée dans 28 pays à travers le monde et en Afrique, présent au Nigeria et en Angola.
Bien après, le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota Masumbuko, a encore reçu la délégation du Fonds mondial pour la conservation de la nature, représentée par son directeur général. Je suis venu ce jour avec mon équipe rencontrer le ministre du développement rural pour lui parler de la collaboration qui existe entre le Fonds mondial pour la nature et son ministère. Et il est normal que le ministre venant d'arriver, que je vienne d'abord pour présenter les civilités et puis le mettre à jour sur le travail que nous faisons ensemble avec son ministère. Le ministre était très content de connaître notre organisation, le Fonds mondial pour la conservation de la nature, et s'est réjoui de la collaboration qui existe entre notre organisation et son ministère, particulièrement dans le domaine de la structuration des communautés locales et de leur accompagnement, et aussi de tous les outils de suivi que nous avons mis en place, notamment les suivis pour les objectifs du développement durable. François Robota Masumbuko s'aligne derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, toujours et confirme à ses visiteurs qu'à chaque instant, il s'y met sérieusement pour le développement de la population rurale. D'un ministère à un autre, de l'autre côté, le ministre de l'Opacité, Tony Mwaba, a échangé ce mercredi dans son cabinet de travail avec Mutombo Dikembe, le célèbre basketteur congolais, est venu féliciter le ministre pour sa nomination à ce poste très important pour l'avenir des enfants congolais. Suivez Mutombo Dikembe. L'objectif était tellement simple. Premièrement, je voulais remercier Monsieur le ministre de sa poste de ministre de l'enseignement primaire et secondaire, ce qui est une position très importante dans notre pays, pour ne pas dire dans notre continent d'Afrique, du fait que la population de ces beaux pays est au moins âgée dessus de 18 ans. Et c'est la raison pour laquelle on s'engage ensemble pour que ces enfants soient plus meilleur demain qu'aujourd'hui, et de lui parler de la construction de l'école Samuel Mutombo en Mbujimayi qui va s'ouvrir au mois d'octobre. Que j'ai plaisé à M. le ministre qu'il soit là le jour de l'ouverture pour la coupure des rubans. La problématique des infrastructures sportives dans la province de La Tchopo a été au centre des échanges entre le ministre de Sport et Loisirs, Serge Kondé, et la délégation des députés provinciaux de cette province, conduite par Gilbert Bokungu, président de l'Assemblée provinciale de La Tchopo. Suivez. La problématique des infrastructures sportives dans la province de La Tchopo a été au centre des échanges entre les ministres des Sports et Loisirs, Serge Kondé, et la délégation de députés provinciaux de cette province, conduite par Gilbert Bokungu, président de l'Assemblée provinciale de La Tchopo. Nous sommes rendus compte que la province de La Tchopo a un sérieux problème, d'autant plus que ses infrastructures sportives sont à un état de délabrement très avancé. Alors nous avons jugé utile que dans son programme, dans sa feuille de route pour cet exercice, qu'il arrive également à épingler, n'est-ce pas, dans les activités sportives de la province de La Tchopo. Face aux responsabilités qui sont les siennes dans ses ministères des Sports et Loisirs, Serge Kondé peut bien compter sur le soutien de la communauté Saint-Pia, dont il fait partie, lui a rassuré Philbert Kunda, président de cette association socioculturelle du Haut-Katanga. Je suis venu essentiellement d'abord pour le féliciter, lui apporter tout mon soutien, c'est-à-dire le soutien de la communauté, et l'encourager à aller de l'avant. La cause des clubs du Haut-Katanga, fief électoral du ministre des Sports et Loisirs, qui prennent part à la 12e Coupe du Congo de football à Kinshasa, est ici plaidée par les chefs coutumiers Kaponda. Comme ce sont des ambassadeurs filles qui sont venus dans le cadre du football, lui annoncer aussi pour qu'ils puissent voir comment booster, les encourager et les pousser en vue que si on peut avoir déjà un premier trophée, des enfants filles qui pourraient amener un trophée au niveau du Katanga dans le championnat du football féminin. Et enfin, la ministre provinciale des Sports du Haut-Katanga a échangé avec le ministre national des Sports, Serge Kondé, sur les priorités de sa province dans ces secteurs. Nous avons profité aussi de lui parler de la réalité des sports et loisirs dans la province du Haut-Katanga. Il nous a prêté une oreille très attentive
Et il a promis son accompagnement dans les initiatives que nous sommes en train déjà de prendre. Madame Pauline Igwabi annonce également la pose de la pelouse synthétique pour bientôt dans les stades Kibasa Maliba. Et en justice, débutée le 31 mai dernier, c'est ce mardi 1er juin 2021 que le procès en appel qui oppose Vital Kamerhe et Sami Jamal au ministère public s'est clôturé en audience foraine à la prison centrale de Makala après avoir écouté la plaidoirie de la partie civile en absence des avocats de Vital Kamerhe. La cour a pris l'affaire en délibéré et rendra sa décision finale au plus tard le 15 juin prochain. Rendons-nous au Kivu où au total 83 enfants non accompagnés de leurs parents ont été identifiés dans la zone de santé des Manova et des Kalehe, fuyant l'éruption du volcan Nyiragongo au nord Kivu. La nouvelle a été confirmée par Pascal Simana, administrateur assistant du territoire de Kalehe en charge de l'administration. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.